Salut, nous sommes les élèves d'une classe de seconde au lycée des Eaux Claires. Mais cette année, il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Notre classe a eu la chance de réaliser un projet sur la presse locale. Aujourd'hui, on te propose de découvrir notre mini-série de 7 épisodes évoquant les médias locaux. Dans cet épisode, nous avons choisi de vous présenter Télé-Grenoble. Nous devions aller dans les locaux de Télé-Grenoble pour interviewer le rédacteur en chef Thibault Leduc. Malheureusement, à cause du Covid, nous avons dû échanger avec lui en visio. Eh ben moi, je m'appelle Thibault Leduc, donc je suis le rédacteur en chef de Télé-Grenoble depuis une quinzaine d'années, enfin, depuis la création de la chaîne en fait. Donc, j'ai participé en 2004-2005 à la création de cette télé locale qui n'existait pas avant sur la région grenobloise. Et j'y suis resté jusqu'à maintenant. À Télé-Grenoble, il y a sept journalistes à temps plein qui travaillent, chacun sur des émissions différentes. Et moi, mon rôle essentiel, c'est de coordonner tout ça, c'est-à-dire de pouvoir dispatcher en fonction des besoins de reportage ou de sujets à traiter, de dispatcher les missions aux équipes, aux journalistes. Et puis, je suis le responsable du contenu, c'est-à-dire que même si ce n'est pas moi qui fabrique tout, loin de là, si pour une raison ou pour une autre, il y a du contenu qui pose problème ou qui nécessite d'être approfondi, d'être discuté, c'est moi qui suis en dernier recours, celui qui va trancher dans un sens ou dans l'autre. Je fais aussi beaucoup d'antennes, je présente beaucoup d'émissions, donc des émissions sur lesquelles je suis à la manœuvre de A à Z en général, puisque on fonctionne un peu comme ça en projet autonome. Donc on va dire que c'est peut-être cette partie-là qui est la plus sympa et que je préfère puisque je la fais depuis une quinzaine d'années et que je m'en lasse pas encore. Donc voilà, c'est plutôt la partie qui sort un peu de mon rôle de rédacteur en chef, qui est de présenter certaines émissions. On liste tous les jours, moi c'est le boulot que je fais, je liste tous les jours toutes les infos, toutes les idées de reportage qui peuvent être intéressantes à couvrir pour nous. Et puis après, on regarde en fonction de combien de personnes sont susceptibles de travailler ce jour-là, de la variété qu'on essaye de mettre aussi dans le traitement des infos. Enfin, il y a plein de paramètres qui nous permettent de choisir ensuite telle info par rapport à une autre. On cherche aussi des choses qui soient visuelles, c'est-à-dire que par exemple, une conférence dans une salle où les gens sont assis à parler, même si c'est très intéressant, pour un reportage télé, ce n'est vraiment pas l'idéal. Contrairement à ce qu'on a fait ce matin d'aller sur un domaine nordique voir des gens faire du ski de fond où là il y a plein de choses à filmer, il y a peut-être moins de fond dans un sujet comme celui-là, mais il y a plus de forme pour la télé. C'est important d'avoir de l'image qui soit aussi attractive, quoi.